troisième étape. Trouver un lieu tranquille. Trouver un lieu tranquille, ça veut dire, si t'es au collège, enfin au CDI, si t'es, je sais pas, quelque part, retrouve-toi dans un endroit que tu aimes bien, que tu es tranquille, tu es seul, ou alors bien accompagné. D'accord? Tranquille. Si par exemple t'es au CDI, et tu t'es au collège, tu vas au CDI, et on te dit, oui, qu'est-ce que tu fais au CDI? Eh ben tu peux très bien leur dire, voilà, je suis victime de harcèlement, personne ne peut m'aider. Ça va se voir. D'accord, tu seras roupé sur toi-même, voilà, un peu craintif, voilà, tu n'as pas comme ça souvent, que tu es mal. Et ça, ben les harceleurs, ils l'ont bien compris, ils l'ont bien senti. Et s'ils l'ont bien senti, ben ils vont venir te faire chier. D'accord. Par contre, si tu donnes l'illusion d'avoir confiance en toi, que va-t-il se passer? Tu donnes l'illusion, par exemple, j'ai confiance en moi. C'est pas vrai, hein. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, les gens vont te voir comme quelqu'un qui n'a pas confiance en toi. Du coup, ils vont adapter des comportements de mec qui n'a pas confiance en lui. Par contre, imagine que tu as confiance en toi. C'est bien. Voilà. Et bien, du coup, c'est un petit peu comme si tu changeais le fer des lunettes des gens. Les gens vont voir que tu as confiance en toi. Donc, inconsciemment, ils vont venir te parler comme quelqu'un qui a confiance en toi. C'est magique.
pareil, d'accord? Est-ce que, au bébé, ou à l'enfant qui est dans ta tête, pose-lui la question, est-ce que tu aimes vraiment être tout seul? Et c'est le jour où tu arriveras à être honnête avec toi-même que tout va se débloquer, tu verras que tu auras un second souffle. Être honnête avec soi-même, c'est très dur, mais c'est... Bon, après, il y en a qui trouvent ça facile, mais moi je trouve ça un peu dur. Mais tu verras que c'est la base, et ça va te faire du bien. D'accord? Essaie d'entendre le bébé, la faim qui est dans ta tête, la faim qui est triste. C'est pour ça dire que tu es pas bien. Si tu arrives à le consoler, alors dans ce cas, tu iras bien. S'il est pas bien tout seul, alors fais-toi des amis. Sors, bouge. Même sur les jeux vidéo, tu peux très bien trouver des forums sur Fortnite, le vocal, sur LOL, du vocal, par exemple. D'accord? T'as mille et une raisons pour trouver des amis. Donc, vas-y, fonce. D'accord? C'est très important. Très, très, très important. Donc, voilà, ça c'est mes techniques. Jamais. Il nous en faut toujours des stylos. Vous savez, c'est un peu ça, sûrement, c'est pénurie. Il faut bien s'occuper chez soi.